Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à Orléans pour venir consulter Yamina. C'est parti. Bonjour Yamina. Bonjour Alain. Alors, pourrais-tu me parler un petit peu des problèmes que tu rencontres? Alors, je dirais qu'en ce moment, j'ai une certaine gêne toujours qui persiste au niveau là, de la déglutition. J'ai l'impression d'avoir à l'intérieur quelque chose qui me bloque. Oui. Mais c'est dérangeant. Je fais moins de fausses routes qu'il y a quelques jours. Oui. Mais j'ai toujours cette sensation d'un poids à l'intérieur et extérieur qui comprime. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe alors au niveau de cette mer? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, je suis tombée sur les fesses, donc le réflexe pomme, on bloque avec les poignets. Oui. Donc, fracture du poignet. Oui. Tu as été plâtré. Ton poignet a été immobilisé pendant 45 jours. Et quand on t'a enlevé ce fameux plâtre, les médecins se sont rendus compte que les tendons extenseurs du pouce s'étaient rompus lors de la chute. Tu as donc été opéré. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait lors de cette opération? Donc, en fait, ils ont coupé un des deux tendons là. Tu vois, là, oui. Là j'ai la cicatrice. Oui. Là. Oui. Et ils l'ont rattaché à là. Oui. À ici. Oui. En fait, comme il y en a deux là. Et les extenseurs. Ce qu'il y a, j'ai pas fait la bonne rééducation. Donc, je sens bien que c'est pas son tendon. Je le ressens bien. Voilà. Autrement dit, quand tu le commandes, Quand je le commande, en fait. Faut que je le réfléchisse longtemps avant pour me dire que je prépare le cerveau à oui. lui donner un ordre. D'accord. Sinon, il faut que je commande l'index, en fait. Et ensuite Alors ensuite, j'ai un autre problème qui persiste aussi, et je me demande si c'est pas lié avec ça, c'est au niveau des sinus. J'ai les sinus, j'ai l'impression... Encombrés. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils se désencombrent pas. J'ai beau essayer plein de... le sérum physiologique... de l'actisoufre, enfin tous les trucs qu'on peut mettre au niveau des rhinites allergiques, au niveau des injections nasales, hein. Voilà. Mais il n'y a rien qui... Ah. J'ai une sensation de blocage là. As-tu d'autres soucis qui te gênent? Alors oui, en ce moment, ça fait plusieurs jours que ça dure, plusieurs nuits. J'ai le problème à l'endormissement. Alors j'ai toujours eu un souci à l'endormissement, le lâcher prise. Oui. J'ai très peur de m'endormir dans le noir déjà. Il y a une phobie du noir finalement. Oui, donc j'ai une petite veilleuse. Donc là, ça va, je suis rassurée. Mais là, ce qui m'ennuie, c'est que je ne trouve pas le sommeil du tout de la nuit. Je m'endors très tard sur le matin. Ce qui fait que le matin, je suis dans le... Et à quelle heure te pars-tu au lit? Alors, c'est variable et je peux partir de bonne heure comme tard. Le souci, c'est le même. Y a-t-il des migraines sous-jacentes à tout ça, non? Oui, des maux de tête assez violents, oui. Oui, oui, j'ai des maux de tête régulièrement, oui. Et qui existent depuis longtemps ou oui. se sont-ils installés? Non, je les ai régulièrement depuis longtemps, donc ça fait très longtemps que je suis migraineuse, plus ou moins, donc... Maintenant que nous avons fait le tour des problèmes qu'a rencontré Yamina, nous allons passer aux soins. On se retrouve 15 jours après, en présence de Yamina. Je vais te parler de ce que j'ai ressenti et trouvé en te traitant. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez Yamina? Donc elle avait des soucis au niveau du cou, donc de grandes tensions au niveau... de la nuque, ici, de la loge antérieure du cou, ici avec notamment toutes les fibres nerveuses et les voies de communication nerveuses du cou, des tensions aussi au niveau de la glande thyroïde, avec bien sûr il y avait des contractions musculo-tendineuses donc qui étaient très invalidants mais qui occasionnaient de grandes gênes. Ensuite, je me suis penché sur son doigt, donc il y avait... Sur son pouce droit, qui avait fait l'objet d'une greffe, on lui avait greffé un des tendons extenseurs de l'index sur le pouce, à la suite d'une rupture. Et donc, elle avait une baisse de mobilité dans l'extension de son pouce, et la cicatrice, ici, lui occasionnait donc des grandes gênes lors de l'élévation de ce doigt. J'ai traité le chien, j'ai traité Yamina, je me suis rendu compte d'une chose. Yamina avait un problème au niveau de son pouce et au niveau du coude. Son chien Zuki avait un souci à sa patte, à son coude et à son épaule. Et un souci au cou. Peut-être qu'il y aurait une relation
de mimétisme entre les soucis qu'avait rencontré Zuki son chien et Yamina. Yamina, depuis la dernière consultation, quelles ont été les améliorations que tu as ressenties chez toi? Alors, au niveau de la main, j'ai eu la sensation de retrouver le pouce de suite après le soin. Oui. Comme si le pouce était revenu dans la main. J'ai retrouvé de la force. J'ai retrouvé une sensation d'apaisement, moins de douleur. Oui. Mais là, actuellement, la raideur a repris. Avec le changement de temps. Ah oui. Aujourd'hui, là, notamment aujourd'hui. Oui, il faut savoir qu'en même temps, il y a les changements de lune aussi. C'est peut-être lié aussi. Oui, peut-être. Et cette histoire-là, tu m'avais exposé la dernière fois que quand tu voulais faire l'extension du pouce, tu avais l'index qui faisait l'objet aussi d'une extension. Oui, tout à fait. Ça le fait ça, toujours ça persiste, ou non? Oui, ça persiste. Surtout avec le changement de temps, j'ai toute la main en fait qui se raidit. Et surtout le pouce. Donc comme le pouce est lié à l'index, ça le refait. Et ce qui est difficile dans les gestes quotidiens, puisque mon cerveau va commander le pouce dans les gestes basiques de la pince. Oui. Et si j'ai pas moi le chose de me dire mais il faut que je commande celui-là en fait. Oui. Ben ça fait beaucoup de dégâts. Je fais tomber des verres, je fais tomber des assiettes, je fais tomber des objets que j'ai en pince directe surtout parce que mon cerveau n'a pas commandé l'index. Perte des mouvements fins finalement. Complètement. Et au niveau du cou, de la nuque et des épaules, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors au niveau de la nuque, alors la douleur est complètement passée de suite après. Oui. Mais complètement, et pourtant c'était vraiment douloureux. Oui. Donc nickel, je peux vraiment bouger, il n'y a aucun souci. Oui. Par contre, au niveau du déglutissement, enfin, de cette sensation de gêne que j'ai là, alors j'ai eu une amélioration, mais ce n'est pas à 100%. J'ai encore une sensation de gêne. En fait, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine séance de soins, alors Yamina. Oui, pourquoi pas, parce que sachant le bénéfice sur les autres endroits, sur les zones organes, là, ça me gêne vraiment et puis ça m'inquiète en plus. Et à la thyroïde, j'ai fait contrôler quand même prise de sang et thyroïde. Tout va bien. Il faut savoir que la glande thyroïde fonctionne avec l'affect. Je te remercie, Yamina, pour cet échange qui a été très enrichissant pour moi, mais aussi pour vous qui regardez cette vidéo. Ben, je te remercie beaucoup parce que pour moi aussi c'était très enrichissant de par le bénéfice des soins, de par l'amélioration que je ressens très rapidement. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.